Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la mort, samedi dernier, du brigadier Alexandre Martin, mort du 54e régiment d'artillerie d'hier. Il a succombé à ses blessures à la suite de l'attaque du camp français de Gao, au cours de laquelle plusieurs autres de ses frères d'armes, nos soldats, ont également été blessés. Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage de ce soldat mort pour la France en luttant contre le terrorisme djihadiste au Sahel et exprimer notre solidarité envers les blessés. En notre nom à tous, je veux assurer sa famille et ses frères d'armes de notre profonde compassion et leur présenter nos pensées et nos condoléances attristées. Je vous demande d'observer un court moment de recueillement en hommage à Alexandre Martin qui a servi la France avec honneur et dévouement. Merci. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement.